Salut à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo découverte d'un jeu, j'ai envie de dire. Donc tout d'abord, je vous souhaite une excellente et heureuse année 2017 et surtout une excellente santé. Je pense que c'est quand même le plus important. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur le jeu RAF. Ce jeu est complètement gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, c'est parti. Vous allez voir, c'est assez sympa. Ça ressemble un petit peu à Stranded Deep. J'avais fait quelques vidéos dessus. Enfin, ça ressemble. Ouais, entre guillemets, le concept, on va dire. Enfin, vous allez voir, va falloir. C'est un petit jeu de survie bien rigolo. Je l'ai testé rapidou. C'est marrant. J'aime bien. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, bah, name. Hop. Je peux pas mettre les 86. C'est pète. Alors. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on est sur un bout d'îlot de rien du tout. On a un crochet, on a un requin. En bas à droite, on a notre soif, notre faim et notre vie. Ensuite, là, on a le truc des crafts, donc des outils, des items. Et voilà. Et il y a des objets qui vont dériver au fur et à mesure. Et le but du jeu est tout simple, c'est d'envoyer notre crochet et de tout ramener. Voilà. Un maximum de choses. On peut les ramasser avec eux. On peut même descendre à la flotte. Hein, il n'y a pas de problème. Regardez. Hop. Le but est de survivre et de ne pas se faire bouffer par le requin. Tout simplement. Donc on va se dépêcher quand même. Hein, on va pas trop traîner. Parce que le petit gars là, c'est un mauvais. Donc c'est bah au début c'est surtout de la pêche aux items. Alors ça c'est, hop. Merde. Pas assez fort. Donc vous voyez, on a des petites planches, on a de la ferraille, on a des feuilles. Bon bah là celui-là. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Regardez par exemple celui-là, hop, je vais descendre dans l'eau, on va le prendre comme ça, voilà. Donc c'est assez simple à jouer, franchement. Après, c'est surtout basé sur de la gestion plus, ouais, plus de la gestion que de l'adresse. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde quoi. Donc hop, on va faire ça, je vais en faire un aussi. Pour l'eau, qu'est-ce qu'il me faut? Il me manque de la ferraille. Hop, donc il faut que... Dans les outils, qu'est-ce qu'on a? Ça par exemple, il me manque de la ferraille. Il me manque... Alors ça, je peux. Ok. Ça nous permet, oh la vache, plein de ferraille là. Et merde. C'est pas si évident que ça. Ah, ok, loupé aussi. Surtout qu'il faut se manier, vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a, certains d'entre vous connaissent le jeu. Ok. J'aurais préféré plus de ferraille et moins de... Moins de bois, mais bon, c'est pas grave. Hop, tac. Alors, on va faire une bonne pêche de 3. Voilà.
Ok, bon bah je vous montre un peu, vous voyez, avec le marteau, on peut fabriquer d'autres petits de plateformes. Tac. Bon bah là de la ferraille maintenant on en a, c'est bon. Contre, faut pas rester dans l'eau trop longtemps, hein. Bien entendu. Voilà, il venait me chercher. Alors, on peut agrandir notre truc comme on veut. Je sais qu'après, alors attendez, c'est où? Là, ça, c'est des petits filets en fait qui vont permettre de bloquer en fait les items là qui se baladent. Venez vers là, s'il vous plaît. What the fuck? Ah, vous voyez? Regardez, il attaque mon truc. Comment je crafte ça? Ok, il me faut les cornes. Il attaque en fait nos plateformes. Et c'est pas cool. Donc là, hop, on va faire craft. On va mettre un petit pot. Pour l'eau, voilà, hop, il nous suffit juste de faire un petit gobelet et faire cuire. Oh, ça c'est bon ça, les tonneaux, moi j'aime bien les tonneaux. Viens par là toi. Donc c'est beaucoup 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 de récolte de matériaux, mais bon, j'ai loupé la planche. Ok, ça c'est good. C'est vraiment après c'est plus simple quand on arrive à mettre des bloqueurs d'items là, mais alors, bien sûr on va faire passer à manger. Donc hop, le truc pour la cuisine, voilà. On a une petite patate, on va pas la mettre, on ne va point la mettre. Est-ce que ça je peux le faire? Il me manque de la ficelle. Je peux pas le faire. Pourquoi il veut pas? C'est quoi le problème? Ah, c'est le problème, j'ai pas assez de bois. Ok. Et eh ben on va ramasser du bois, c'est pas grave. Il revient à la charge l'autre. Il faut survivre en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est ce truc tout con. Ça paraît simple comme ça à dire, mais c'est pas si évident. Je peux vous le garantir. Ouais, la ferraille, on en a la masse. Hop. Surtout les planches en bois et les feuillages qu'il me faudrait. Donc il y en a pas mal qui arrivent. Voilà. Hop. Tac. Hop, comme ça, on peut planter une patate. Voilà, on peut ramasser à travers nos machins là, nos barricades. Alors, c'en est où? Hop, hop. J'ai toujours pas fait le machin pour me défendre. Donc, on va le faire si on peut. Oui, on peut. Ok, ça c'est cool. Ah bah si, je l'avais déjà fait. Merde, j'en ai fait un autre. Ah le con. Ah, j'ai bouffé de la ressource pour rien. Ça c'est pas bien ça. Ah, il y a un petit tonneau qui arrive. C'est une bonne nouvelle. Et viens, petit tonneau. Hop. Ah, une autre patate.
celle-là elle est pas prête. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une canne à pêche pour manger. Et pas assez de corde. Ah, vous allez voir, c'est excellent. Petite canne à pêche, pas dégueulasse. Hop, on jette. À la mode de Fishing Planet. Hop. Et bim! Voilà, on en a. Non! Voilà, il a rien cassé, c'est cool. Le petit poisson, il est où? Voilà. Pouf! Allez hop! Un petit peu de miam miam, fera pas de mal. Ah, ok. Et là, hop, c'est ça surtout le plus important. Donc vous voyez, hein, c'est quand même, ça reste simple, ça reste assez simple. Hop, voilà. On remet des patates. Ça reste assez simple, mais faut faire gaffe quand même. Faut être rapide, faut bien gérer quand même son truc, ses items, tout ça, tout en pensant en même temps à notre bouffe et à notre soif. Bon, après vous pouvez faire plusieurs cuiseurs, plusieurs Hop, j'aimerais bien vous montrer. Alors par contre, sur le menu du jeu, on voit qu'on peut faire des étages en fait, sorte des étages à notre petite base. Et j'ai pas réussi, je sais pas comment on fait. Je sais pas. Je sais pas du tout comment on fait. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre ça, admettons. Je voulais faire ça, moi. Ah, c'est quand même trois cordes. Hein. Trois cordes. On va le mettre où? Que vous voyez bien comment que ça marche. On va le mettre là. Vous voyez, hop. Ça les retient plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À chaque fois, c'est la galère avec le pour les feuilles. Alors le tonneau il arrive, wow, c'est cool, regardez, il va se foutre en plein dans le truc. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Genre ça, on n'a pas mis. Bon après l'autre je vous fais pas un dessin, c'est un coffre. Alors déjà, hop, voilà. Oh, ça j'avais pas été... Pardon, j'avais pas testé. C'est assez mastoc, apparemment. Donc bah écoutez, hop là, hein. Voilà. Alors, le requin d'abord. S'il arrive. C'est bon, il s'est barré. Il a fait peur.
Remonte vite! Alors quand vous êtes dans l'eau, en haut, il y a une trace de fatigue. Voilà. Donc là-dedans, faut mettre ça, je pense. Ouais, voilà. Hop, on plante, on verra bien au final ce que ça donne. Et après, bon, bah, c'est interminable, hein, je pense. Hein. Enfin, je sais pas en fait s'il y a une fin. Je sais pas du tout s'il y a une fin. On va le mettre là quand même. C'est vraiment. Outil, on n'a pas la hache. On s'est pas fait de hache. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais. On s'en fout. Après, je pense que le réel intérêt, c'est de s'étendre un maximum au début. Pour pouvoir s'en sortir de l'eau, avoir accès à un maximum de ressources. Mais c'est quand même un système de. Enfin, faut gérer rapidité, tout ça. Alors là, hop. 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 Voilà. Ça, et peut-être ça, voilà. On boit un petit coup. Hop, hop. Je sais pas du tout si alors est-ce que c'est en ça va être en évolution, ça va s'améliorer de plus en plus le jeu, j'en sais rien du tout. Ah non, j'ai loupé le gros tonneau. Hé hé. Bien joué, ça. Hop là. Enfin, voilà. Ah d'accord, ça fait pousser un arbre. Oh, bah, c'est cool. Enfin, voilà, les amis. Écoutez, ça va être tout pour cette petite vidéo présentation du jeu. J'espère qu'elle vous plaira. Donc je le rappelle, le jeu est gratuit. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Enfin c'est cadeau, en même temps, je n'ai pas payé non plus. Hein, donc enfin, c'est pas vraiment un cadeau, mais ça, c'est un cadeau dans le sens où je vous fais découvrir un jeu. Voilà, c'est tout. Hein? Bon allez, sur ce, je vous re-souhaite encore une excellente et bonne année et une excellente santé. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao!